أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce moment de réflexion et de méditation. Après la thématique de l'amour en islam qu'on a vu le mois passé, on a décidé d'aborder le côté plus pratique, puisqu'on avait abordé plutôt la théorie, à travers notamment le Coran et la place de l'amour dans son discours, voir à travers le modèle, l'enseignant, le prophète, alayhi salat wa salam, quelle place occupait l'amour dans sa vie, dans son message, dans sa prédication, dans son exemple. Et donc on va essayer ensemble, bismillah ta'ala, de méditer sur cet élément. Comment le messager, alayhi salatu wassalam, construisit son message, son éducation sur l'amour. Alors tout d'abord, l'amour est parfois un mot qui est très absent, voire tabou, dans certaines communautés. C'est un mot qu'on utilise peu, et qui fait que parfois on a besoin d'un surplus de mise en pratique, d'application, parce que le cœur est tellement assoiffé, asséché parfois, qu'on multiplie les actes apparents, secondaires, pour se rassurer. Or le cœur évidemment, et l'amour en particulier, est la base de toute chose. Et si foi il doit y avoir, elle ne peut exister que s'il y a amour réellement dans le cœur. Et si éducation il doit y avoir, et c'est le rôle fondamental du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est venu enseigner, guider cette communauté, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. Ce messager, alayhi salatu wassalam, Dieu nous rappelle sa vocation, c'est un homme qui est pris parmi vous, parmi cette communauté qui vous connaît, issu de vous-même. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient d'abord réciter ses versets, réciter le Coran, qui est la base de l'éducation du prophète, alayhi salatu wassalam, yatlu alayhim ayati. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va les purifier. Il va purifier leur cœur. Il va travailler sur cette notion fondamentale de teskiya, d'essayer d'extirper, d'extraire du cœur de ceux qui l'accompagnent l'amour, des passions, et tout ce qui est contraire à l'amour de Dieu, permettre à ce cœur de se purifier afin justement de s'emplir de l'amour de Dieu. Car si le cœur évidemment est rempli de toute une série de passions, il ne pourra pas s'emplir de l'amour de Dieu. Il y a besoin donc d'abord, le récipient, avant de mettre dedans un liquide qui est pur, on va d'abord le nettoyer, le purifier, pour pouvoir ensuite mettre ce liquide pur dans celui-ci. Donc le travail d'éducation spirituelle est toujours fondé sur ce qu'on appelle le tahliya wa tahliya. On va d'abord extraire les impuretés du cœur, et puis on va essayer de donner à ce cœur l'amour, la proximité de Dieu. Et donc il vient lire le livre, il vient purifier les cœurs, et puis seulement il enseigne. وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ. Et il vient ensuite enseigner à ceux-ci Al-Kitab, le livre, et le contenu du livre, et Al-Hikma, la sagesse. Comment traduire ces principes dans la réalité? Ce qu'on a traduit aussi par Sunna, son modèle. Et ce modèle, c'est avant tout son éducation. Comment on a réussi à transformer les gens? Comment on a réussi à faire d'un peuple illettré, qui n'avait pas produit de civilisation, peu connu dans l'histoire de l'humanité pour ses grandes réalisations, comment il a pu, en quelques années, à travers le Coran justement, bouleverser totalement cette population, ces gens, et changer leur destinée. Et donc là, il y a besoin de cet éducateur, dont le but premier est de connecter les gens à Dieu, dont le but premier est de faire que leur relation à Dieu, à la religion, est une relation qui est basée sur l'amour. Et comme vous le savez bien, lorsque l'amour est présent, tout semble facile. Il est un boost, il est un moteur. Et donc il va insister sur cet élément-là. Or aujourd'hui, on parle souvent de la sunna,
Mais on a fait de la sunna un code vestimentaire, une série d'habitudes culturelles qui ne sont pas en réalité l'objectif premier du prophète. Il n'est pas venu en tant qu'enseignant, nous apprenons comment nous vêtir, comment nous comporter dans le domaine des habitudes, mais plutôt comme un éducateur, comme un enseignant qui vient purifier, éduquer, transmettre les valeurs. Et donc on parle beaucoup de sunna aujourd'hui, mais très peu du modèle, très peu de l'éducation, de comment le prophète a pu justement, tout au long de ses 23 années, changer, bouleverser, comme on a dit, le cours de l'histoire. Et donc pour réaliser cela, ce n'est pas uniquement avec des éléments d'apparence qu'il aurait pu le faire, mais c'est en changeant profondément l'intérieur de ses individus, de ses compagnons, qu'il a pu transformer ces hommes et ces femmes en lumière qui ont changé la face du monde à cette époque-là. Et donc c'est un travail très intime, très profond, qui a pris du temps, qui a demandé la patience afin de pouvoir réellement transformer l'intérieur. Ce que l'on n'a plus malheureusement aujourd'hui, nous sommes dans une société de l'immédiateté, de la consommation, on veut tout de suite, on veut être super musulman, super musulmane en quelques instants. Or il n'y a pas de transformation sans qu'elle ne soit, sans qu'elle ne demande un effort, du temps évidemment pour la concrétiser. Donc on parle beaucoup de sunna, mais très peu du modèle. Et donc moi j'appellerais plutôt à revenir vers la sunna en tant que modèle éducatif. Comment il a fait ? Alors ce n'est pas l'objectif premier de cette intervention, mais il est essentiel de revenir vers cette éducation qu'il a pu donner. Et nous allons nous arrêter sur un volet, comment cette éducation a été fondée sur l'amour. Comment cette éducation que le prophète alayhi salatu wasalam, a voulu donner à ses compagnons s'est fondée sur cet élément central. Et comment il fut d'abord lui-même celui qui a été porté par cet amour. Parce qu'à nouveau, le prophète est avant tout le modèle. Et c'est ce qui manque aussi énormément à nos communautés aujourd'hui. On a des imams, on a des théologiens, on a des gens qui ont du bagage. Mais, dans la réalité, qui est le modèle? Qui est le Qudwa? Qui est celui qui va, par son silence, nous transformer? Ça, on ne le trouve pas. On trouve des gens qui nous orientent, qui nous encouragent à faire des choses, par leur discours. Mais on trouve très peu de gens qui, dans le silence de leurs actes, et éveille nos consciences et nos cœurs afin d'œuvrer. Or, c'est ce qu'était le prophète, alayhi salatu wasalam. Les compagnons mentionnaient qu'il parlait très peu. Nous, on a l'impression que le prophète, il n'arrêtait pas de parler. Et qu'il passait ses journées à être sur son minbar et à parler, à parler, à parler. Alors, il disait, on ne trouvait pas quelqu'un de plus silencieux que le prophète, alayhi salatu wasalam. Il parlait peu, mais il disait des choses utiles et importantes. Il parlait peu, mais son comportement non-verbal ne cessait de traduire ce qui habitait finalement son cœur. Et là, c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui, le modèle. Et dans l'éducation, on n'a pas besoin des moralisateurs, comme le sont beaucoup de gens aujourd'hui, ni des grands prêcheurs d'ailleurs. Alors on le voit, on est dans une surconsommation de discours religieux aujourd'hui. On va tous sur Facebook, on a tous des vidéos, on en fait actuellement d'ailleurs, hein, on est tous sur les réseaux sociaux, et donc on a accès à un flot d'informations. Ce qu'on n'avait pas il y a quelques décennies. Et donc c'est un bien évidemment ce flot d'informations. Mais qu'est-ce qu'on constate? Quand on voit parfois nos parents, nos grands-parents, des gens qui étaient parfois illettrés pour certains d'entre eux, mais qui avaient une qualité morale, un courage, des valeurs humaines parfois, qu'on ne retrouve pas chez des gens qui ne cessent de parler d'islam, mais dont finalement le discours est plutôt le cache-misère d'un cœur qui est inhabité par cet amour. Et donc on insiste, on parle beaucoup, plus je pense parfois pour se convaincre soi-même que pour convaincre les autres. On est plus en train de se rassurer soi-même en ne cessant d'en parler que plutôt d'essayer de transmettre quelque chose. Et il disait, alayhi salatu wasalam, « Khayrukum khayrukum li ahlihi, wa ana khayrukum li ahli. » Le meilleur d'entre vous est le meilleur avec ses proches, avec sa famille. Et je suis le meilleur d'entre vous avec les siens. Il ne dit pas ça pour se vanter, évidemment, le prophète, alayhi salatu wasalam. Il rappelle qu'il est le modèle. Alors pourquoi je choisis ce hadith, un miroir le rapport? Parce que ce hadith, pour moi, il est singulier. La famille est le moment où nous sommes dans notre intimité, où nous sommes vrais. À la mosquée, on est tous beaux, tous gentils, plus ou moins. On se garde plus ou moins bien.
on dérange plus ou moins pas trop les autres. Mais dans notre intimité, c'est là que nous nous révélons finalement. Et donc notre époux, notre épouse, nos enfants, nos proches sont ceux qui nous connaissent le mieux. Et ceux qui peuvent finalement réellement témoigner de la qualité de notre relation à Dieu. Est-ce que je suis vraiment porté par l'amour ou en public je l'annonce, mais dans mon intimité je suis totalement éloigné de lui? Parce que c'est là que ça se fait. C'est quand tu es seul, quel choix tu fais? Est-ce que je fais le choix d'être avec lui, de lire, de penser, de méditer, d'être avec le Coran? Ou est-ce que quand je suis dans mon intimité, je suis tout simplement dans l'oubli, le rafla, la négligence et l'insouciance? Et donc le prophète est ce modèle. Et donc il est essentiel justement de remettre cet amour au cœur de notre cheminement personnel et puis de notre enseignement. Et lorsque nous allons justement être habités par cet amour, c'est là qu'il va se répandre autour de nous. On peut parler qu'on parle beaucoup, mais les gens ils vont être impactés par ce qui nous fait vivre, ce qui nous habite. D'où l'importance de cet amour. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, fut cet exemple et il ne cessa d'appeler à cela. Il dit, alayhi salatu wassalam, « Salasul man kunna fihi wajada halawat al-iman. » Celui qui possède trois choses va goûter à la saveur, à la douceur de la foi. Donc la foi a des niveaux différents. Et il y a des gens qui vont goûter à une certaine foi. Une foi qui va donner, qui va permettre d'atteindre certains niveaux, en tout cas de spiritualité. Al-halawa, la douceur, la saveur de la foi. Et le premier élément qu'il dit, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Que Dieu et son messager soient plus aimés auprès de lui que toute autre chose. Si tu veux atteindre réellement cette foi, sache qu'il faut que Dieu soit l'élément moteur, que son amour soit supérieur à tout autre amour. Alors le souci parfois qu'on a également dans notre cheminement, c'est qu'on oublie que Dieu a établi l'univers sur des lois, des sunnans. Tu ne trouveras pas de modification dans les lois que Dieu a établies. Et l'amour ne se construit pas comme ça. Ce n'est pas une prétention, l'amour. L'amour, c'est une réalité qui habite ton cœur. Je peux prétendre aimer mes enfants, mais je les néglige. Je ne leur donne pas d'affection pratique. Et donc cet amour, je ne dis pas que je ne les aime pas, il y a sans doute de l'amour dans le cœur de ce papa, de cette maman, mais concrètement, est-ce qu'il se traduit dans la réalité? Est-ce que l'enfant peut palper cet amour? Si ce n'est pas le cas, il y a un réel problème. Et donc cet amour, il doit toujours se traduire et surtout se construire. Je n'aime pas quelqu'un que je ne connais pas. Je n'aime pas quelqu'un qui ne m'est pas nécessaire ou indispensable. Et donc dans la connaissance de Dieu, il va y avoir cette proximité. Donc première chose qu'il rappelle, si tu veux goûter à ce niveau particulier de la foi, et dépasser l'islam de l'adhésion, l'islam c'est d'abord une adhésion à quelque chose, et puis c'est une foi qui va venir habiter ton cœur. Alors pour atteindre ce niveau particulier, cette saveur de la foi, il faut aimer Dieu plus que tout. Alors est-ce que ça peut se faire avec une parole? Non. Comment on va pouvoir le concrétiser? Par des actions concrètes. Ça va nous demander un moment de faire des sacrifices. Et pourquoi beaucoup de couples ne tiennent plus aujourd'hui? Parce qu'on est plus prêt à faire des sacrifices. Parce que Nefsi, mon petit ego, est plus important que toute autre chose. Et je ne suis pas prêt à patienter, à faire des sacrifices pour l'autre. Je préfère le sacrifier lui, plutôt que devoir faire des sacrifices vis-à-vis de moi-même. Et donc un amour qui veut vraiment se construire va se baser sur une série de sacrifices notamment. En termes de temps, en termes de connaissances, qui va permettre à un moment à cet amour de s'installer. Deuxième élément, et qu'il n'aime une personne que pour Dieu. Que dans sa relation avec autrui, cet amour qui a imprégné son cœur se traduise dans la sincérité, l'honnêteté de ses relations à autrui. Je ne suis pas avec toi pour un intérêt. Je ne suis pas avec toi pour mon intérêt. J'essaie d'être là, de t'apprécier uniquement pour lui. Parce que ce qui nous a rassemblés, ce qui a lié nos cœurs finalement, c'est l'amour de Dieu. Et donc je recherche sa satisfaction en lui, et non la mienne ou la tienne en particulier.
Donc ça, c'est un deuxième élément. Aimer son frère réellement ou sa sœur réellement pour Dieu. وَأَنْ يَكْرَهَا أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهَا أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. Et qu'il déteste de revenir vers la gratitude, vers le rejet de Dieu, tout comme il détesterait d'être jeté dans le feu. Donc, troisième élément, quand tu as goûté à cet état particulier d'amour de Dieu, d'amour de ton prochain, tu vas avoir cette volonté de rester dans ce chemin, dans ce que tu as goûté. Alors, on n'est plus dans du palpable, enfin plutôt dans quelque chose qui se verbalise. On est dans quelque chose qui se ressent. Qui a goûté à la foi n'est pas comme celui qui en parle. Et donc quand on a commencé à goûter à cela, il y a cette réalité qui habite notre cœur qui fait qu'on ne voudrait pas perdre cet état. On ne voudrait pas quitter cet état qu'on a pu atteindre par l'amour de Dieu. Et donc ici, il rappelle ces éléments fondamentaux de la saveur de la foi, de l'amour, l'amour de Dieu, l'amour du messager, l'amour de son prochain, et le fait d'être conscient de la valeur finalement de cet amour. Alors évidemment, si on doit parler de l'amour du prophète, alayhi salat wa salam, c'est avant tout l'amour de son Seigneur. Car sans cela, il ne peut y avoir de pratique qui est saine. C'est-à-dire, la pratique religieuse n'est pas là pour elle-même. On ne prie pas pour prier. On ne prie pas pour affirmer son islamité. On ne prie pas pour faire partie d'une communauté. On prie pourquoi ? Pour être avec lui. Et donc, à un moment, lorsque cet amour est présent, le culte, la pratique prend un tout autre sens. Souvent, pour nous, dans un premier temps, en tout cas, elle est plutôt une marque d'adhésion à une communauté ou un héritage. Et donc, on prie parce qu'on nous a dit de prier, parce que les parents nous ont encouragés à faire, parce qu'on sait que pour être un musulman, il faudrait que je prie, mais ceci n'est pas le vrai but. Le vrai but, c'est prier pour me rapprocher de Dieu. Et donc, il faut avoir cette conscience. Et le prophète travaillait toujours à cet amour. Il levait les mains et disait « Allahumma inni as'aluka hubbek »« Ô mon Dieu, je te demande ton amour »« Wa hubba man yuhibbuk » »« Et l'amour de celui qui t'aime »« Wa al-amal alladhi yuballighuni hubbek » »« Et l'œuvre qui va me mener à ton amour » Voilà les trois choses qu'il demandait. L'amour direct de Dieu. Voilà les invocations du prophète. Ô mon Dieu, donne-moi la plus belle chose, ton amour. Et l'amour de celui que tu aimes. Parce que dans le cheminement, évidemment, la proximité des pieux et des pieuses nous permet de mieux cheminer. Et ça, c'est important aussi pour nous. Voyez combien de débats on a entre musulmans. Est-ce qu'ils nous rapprochent de Dieu ? Wallah, tu sors, t'as mal au cœur et mal à la tête. Tu vas sur des forums, tu passes ton temps à discuter de quoi ? De détails, de divergences, de débats, et au lieu que ton cœur sorte apaisé, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce pas par le rappel de Dieu que le cœur ressort apaisé, sera, tu sors de là, Allah, et t'as mal à la tête, tu ne dors pas pendant une semaine, et tu crées même parfois de la haine vis-à-vis de ton frère. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas de Dieu. On ne parle plus de Dieu. On parle de nous, et on veut affirmer que nous avons raison. Ma urikum illa ma'ara. Comme disait Pharaon, je ne vois pour vous que ce que je vois moi. Si tu ne penses pas comme moi, attention, mon frère, ça ne va pas. Et donc, je ne suis pas là pour parler de Dieu, pour nous rappeler Dieu. Je suis là pour affirmer que j'ai raison et que tu as tort. Donc, je ne suis pas là pour Dieu. Et c'est pour ça que nos débats, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit parfois entre nous, ne nous rapprochent pas de Dieu. Pire, nous en éloignent. Et donc, les compagnons disaient, notamment Mu'ad ibn Jabal, lorsqu'un compagnon passait, il dit « Ta'al, ijlis bina nu'minusa'a » « Viens, on va s'asseoir un moment afin de travailler notre foi. » Et donc il trouvait ces moments où on va essayer de se rapprocher de lui. Et c'est quelque chose qui manque très souvent dans nos débats. Donc le prophète demande l'amour de Dieu et l'amour de ceux que Dieu aime. Alors essayons de trouver ces personnes. Personne qui nous aide, et on le sent. J'ai quelqu'un avec qui je débat, il m'éloigne de Dieu. J'ai quelqu'un avec qui je suis, alhamdoulilah, quand je suis avec cette personne, quand je l'entends, quand je chemine avec lui, il apporte apaisement à mon cœur et me permet de me rapprocher. Et puis, al-amal alladhi yuballighuni hubbak. Et puis, donne-moi l'œuvre qui me permet de me rapprocher de toi.
Et dans l'intervention précédente, nous avions rappelé ce que Dieu aimait dans le Coran. Il aime les pieux, il aime les justes, il aime ceux qui se purifient, il aime ceux qui se repentent, il aime ceux qui placent leur confiance en lui, etc. Donc on a vu ces différentes qualités fondamentales. Et donc cheminer, comme on l'avait dit la fois passée, le prophète justement cherche en tant que lui-même pour se rapprocher de Dieu, et puis en tant qu'éducateur, parce qu'il enseigne évidemment ici aux autres, les actes qui me rapprochent de lui. Et comme disait un maître spirituel, il se peut qu'un péché rapproche plus de Dieu, un péché qui fait naître le repentir, l'envie de revenir vers Dieu, rapproche plus de Dieu qu'une bonne action qui fait naître l'orgueil dans le cœur. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire des mauvaises actions, évidemment. Mais l'important, c'est que le croyant, quand il chemine, même dans l'erreur, il peut en faire un outil qui le rapproche de Dieu. Parce que nous sommes tous imparfaits. Nous faisons tous des erreurs. Mais le vrai croyant n'est pas celui qui ne fait pas d'erreurs. Le vrai croyant est celui qui profite de chaque occasion pour grandir. Et l'erreur que j'ai faite hier, je vais m'en rappeler pour me rapprocher de toi. On rapporte de l'imam Mohammed al-Ghazali, un des grands savants égyptiens du siècle passé, rahimallah ta'ala. Un jour, il passe en rue et un homme ivre l'interpelle. Il dit, « Ya Maulana !» Les Égyptiens, ils aiment bien dire. « Oh mon Seigneur, invoque Dieu pour moi. Je suis perdu. Regarde dans quel état je suis. » Et l'imam, qui est un homme, je l'espère, pur, s'interpelle lui-même, s'interroge lui-même. Vous voyez, nous, qu'est-ce qu'on fait? On juge directement l'autre. « Ah, le soulard, l'alcoolique, regarde ça, il est loin de Dieu, que Dieu te maudisse. Hein, » c'est ce qu'on entend parfois malheureusement autour de nous quand les cœurs sont malades. Parce que le cœur qui est imbibé de la parole de Dieu, il ne peut pas réagir comme ça. Celui qui réagit comme ça, c'est celui qui a dans le cœur malheureusement est rempli de haine. Et l'imam se met à réfléchir et il se dit, peut-être que cet homme est meilleur que moi. Parce que lui est conscient de sa faute. Il est conscient que son état n'est pas ce que Dieu voudrait pour lui, et donc il a pris conscience, il demande pardon, il se repent. Peut-être que moi et mes semblables, nous qui sommes les savants, les imams, les enseignants, en fait nous sommes sous une autre ivresse, l'ivresse du savoir, l'ivresse des bonnes actions. On pense, on est ébloui, aveuglé par nos bonnes œuvres, on pense que nous sommes arrivés à un certain niveau et on oublie de se remettre en question, et on perd peut-être la sincérité. Alors il s'assied avec lui et dit, viens, on va tous les deux demander pardon à Dieu pour nos manquements. Vous voyez, ça c'est la personne qui est connectée avec lui, subhanahu wa ta'ala. C'est la personne, quand il voit l'autre dans l'erreur, au lieu d'être dans le jugement, il se remet en question lui-même. Et se dit, peut-être que toi, tu es meilleur que moi. Donc là, l'acte maintenant qui nous rapproche de Dieu. Et c'est avant tout ce que Dieu aime le plus. Et ça, on avait dit la fois passée dans le Coran. Ce qui est souvent répété, ce que Dieu a aimé, comme on l'a cité, la bienfaisance, la piété, la justice, toutes ces qualités fondamentales qui font que Dieu nous aime plus. Et donc, si on veut cheminer, ce n'est pas selon ce que moi j'ai envie, c'est ce que Dieu aimerait dans une relation d'amour. On doit essayer de savoir ce que l'autre aime. Si mon mari ou mon épouse ne supporte pas, je sais pas moi, les pizzas. Et moi, tous les soirs, Mskina, quand elle rentre à la maison, je lui prépare une pizza. Alors, le premier jour, elle va me dire merci parce que, bon, elle est polie, elle est gentille. Deuxième soir, elle n'en peut plus. Troisième soir, elle la cache en dessous de la table pour la jeter. Au bout du cinquième soir, elle me dit, écoute, laisse-moi tranquille avec tes pizzas. Donc, aimer quelqu'un aussi, c'est apprendre à le connaître, apprendre ce qu'il aime lui. Et nous, malheureusement, parfois, dans le cheminement, on veut ce que moi, j'aime bien. Moi, je suis dur. Moi, j'ai vécu, je suis dans les quartiers, et j'ai envie d'un islam dur. Je ne veux pas l'islam qui parle d'amour. Toi, c'est l'islam bisounours, mon frère. Toi, ton islam, tu parles d'aimer les gens. Ah, le vrai islam, ce n'est pas comme ça. Le vrai islam, c'est qu'ils vont tous en enfer. Le vrai islam, c'est tous des égarés, sauf moi et mes potes. Alors, mes potes, je me suis disputé avec eux, ils ne sont plus guidés non plus. Il n'y a plus que moi et moi. En fait, je suis le seul bien guidé. Et donc, parfois, on a envie que la religion soit ce que moi je veux. C'est pas ça, être avec Dieu et dans une relation d'amour. C'est savoir ce que lui aime et tendre vers cela. Et puis il vient alors, après cela,
Allahumma jal hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma' al-barid. Oh mon Dieu, fais que ton amour soit plus aimé à mon cœur que moi-même, mes proches et que l'eau fraîche. Dans un milieu aride, évidemment, l'eau fraîche est centrale et fondamentale. Vous voyez, il se rend compte que être réellement avec Dieu, c'est l'aimer plus que tout. Et pour l'aimer plus que tout, ça ne peut passer que par des sacrifices. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux qui sont réellement dans la foi aiment Dieu plus que toute autre chose. Dieu est supérieur, mais ça demande à travailler. Donc le prophète est dans cette relation particulière. Alors comment va se traduire cette relation d'amour avec Dieu ? Par son adoration, évidemment. Et l'adoration du prophète, alayhi salatu wassalam, est une narration particulière. Pourquoi ? Parce qu'elle est fondée par l'amour. Alors soyons honnêtes avec nous. Très souvent, quand on prie, quand on jeûne, ben, c'est très souvent un devoir qu'on accomplit. On n'a pas encore atteint le degré de l'iman, et surtout pas de halawat al-iman, la saveur de la foi. Donc on prie parce qu'il faut prier, bien souvent. Rarement nous sommes appelés par la prière et waouh, ça devient un besoin. On espère que ce soit le cas. Mais on est encore très souvent dans... C'est normal, c'est humain, c'est la première étape. Donc il ne faut pas s'en vouloir. Il ne faut pas non plus parfois lire dans certains bouquins, quand tu lis les histoires des anciens, ils marchaient presque sur l'eau, ils volaient dans les cieux et ils ne dormaient pas pendant 6 mois. Je pense que ça peut exagérer aussi. Parfois il y a des pieux évidemment, il y a des saints, il y a des gens qui ont été très près de Dieu, mais ça reste des humains. Le prophète n'a jamais fait tout ça. Donc je ne pense pas qu'il y a des gens qui étaient mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur modèle. Donc l'humanité reste toujours présente, évidemment. Mais il faut avoir conscience des étapes. On chemine, on adhère, et petit à petit on grandit dans ce chemin. Donc plus aimé que moi, plus aimé que mes proches, plus aimé que l'eau fraîche ou les biens les plus importants. Et donc ça se traduit après par cette adoration, comme on a dit. Et on voit que le prophète alayhi salatu wa sallam, quand il adore Dieu, c'est une adoration qui est permanente. Et surtout le temps... Il n'est plus prisonnier du temps. Nous, si l'imam il a le malheur de faire une prière pendant un quart d'heure, il se ramasse des chaussures sur la tête à la fin de la prière. Taqil, à l'époque du prophète aussi, on priait des prières courtes, je ne dis pas ça. Je parle de comment lui ressentait sa prière. Il priait toute la nuit, en tout cas une bonne partie de celle-ci. Et son épouse l'interpelle. Pourquoi est-ce que tu fais tout cela ? Pourquoi tant d'efforts ? Et donc elle parle ici par la foi avec un regard un petit peu matériel, d'apparence. Dieu t'a tout pardonné à toi. Plus de soucis. Le paradis t'est promis. Vous voyez, c'est encore la logique du comptable. Toi, tu agis pour le paradis. Alhamdoulilah, tu l'as. Repose-toi. Il dit non. Afala uhib. Afala uhib wa nakuna abdan shakura. Est-ce que je n'aime pas, est-ce que je n'aimerais pas d'être ce serviteur reconnaissant ? Et je ne suis plus dans... le comptage, même si c'est une étape normale, on est tous un peu comme ça au début, et on l'est encore. Mais on doit essayer, on doit tendre vers là petit à petit. Et là, on goûte à cette saveur, cette halawa, cette iman. Et comme tout, faites le parallèle avec vous-même, avec ce que vous aimez, vos passions, le sport, la musique pour certains, le cinéma, les soldes, ou d'autres choses. Et vous allez voir comment le temps, subhanallah, il court. On a passé toute une journée, c'est comme si c'était 10 minutes. Par contre, quand c'est quelque chose que vous n'appréciez pas, 10 minutes vous donne l'impression d'être une journée. Donc lui, il passe la nuit à prier et il est parti. Au point où son corps s'en ressent. Il dit, mais regarde tes pieds, dans quel état ils sont, à force d'être debout à prier. Mais lui, le corps n'est plus là. C'est le cœur qui est connecté et l'enveloppe qui est le corps ne fait qu'accompagner ce cœur. Nous, le corps est là. C'est pour ça qu'on se préoccupe beaucoup des pieds quand on prie, est-ce que mes mains sont au bon endroit, etc. Parce que le cœur est absent, on ne se focalise que sur ses pieds, ou sur ses mains, ou sur d'autres éléments. Donc il y a cette proximité. Disait à Bilal, Bilal appelle, aqim as-salah, arihna biha. Appelle à la prière, apaise-nous par elle. C'était un moment d'apaisement, de sérénité que vivait le prophète. Alayhi salatu wassalam. Et donc il y a toute cette relation particulière qu'il a avec Dieu. Et elle disait, son épouse Aïcha, qu'il invoquait Dieu à chaque instant. Oui, ça aussi, c'est la beauté du dhikr et de dua. Dieu nous a donné la prière. La prière, elle a des conditions, évidemment. Alors, on ne peut pas prier n'importe comment, sans ablution, etc. Par contre, dhikr,
le rappel de Dieu, subhanallah, alhamdulillah, louange à Dieu, gloire à Dieu, et ad-du'a, oh mon Dieu, ouvre mon cœur, oh mon Dieu, rapproche-moi, ou simplement parler avec Dieu. Rien que parler avec Dieu, c'est quelque chose de sens. Et ça, on l'a oublié. Nous sommes dans le formalisme. Moi, j'ai déjà des gens qui sont venus me trouver et où finalement, je constatais que celui qui ne priait pas avait une relation beaucoup plus intime avec Dieu que celui qui priait. Ça peut nous sembler à nous, nous paraître aberrant, parce qu'on a toujours intégré que la prière centrale, évidemment. Mais si c'est la prière des gestes, alors que le cœur n'est pas présent, alors que l'autre, peut-être, c'est vrai, il ne prie pas encore, mais il a ce lien déjà qui se crée avec Dieu, eh bien, il y a déjà cette intimité, les doigts, les invocations, et le dhikr sont justement ces éléments. C'est pourquoi le Coran nous parle tout le temps de dhikr. Ya ayyuha alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Invoquez Dieu abondamment. Et le but de la prière, c'est quoi? Dhikr, aqim as-salata li dhikri. Fais la prière pour te rappeler de moi. Pour que la présence de Dieu soit en ton cœur. Donc si c'est une prière juste de la forme, elle n'a pas de sens. Donc il y a cette adoration particulière, et à nous d'essayer de redonner du sens à tout cela. Alors tout ne peut pas se faire de nouveau en un instant. Donc je prie, et c'est vrai, vous allez me dire, bah, écoute, ma prière, c'est pas toujours top. Et mais parfois, quand j'invoque, c'est mieux. Eh bien, je continue ma prière, et je continue à invoquer. Et de temps en temps, j'essaie de faire combiner les deux, que ma prière devienne ce moment de dhikr, devienne ce moment d'invocation. Et vous pouvez invoquer en français dans la prière. On fait la prière en arabe, mais pendant les invocations, on les fait en français. Et parlez avec Dieu. Et vous-même, avec vos enfants, réapprenez à parler avec Dieu. Bon, je suis filmé, c'est pas grave, je dis des fois des bêtises, mais moi, je regarde souvent avec mes enfants à la petite maison dans la prairie. Et qui est une série pleine de valeurs que j'apprécie beaucoup, loin de ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement. Mais j'aime bien, comme à chaque fois, il y a cette connexion un peu qu'on fait avec Dieu dans les repas, dans certains moments. Et c'est important pour nous de créer cette connexion. Parce qu'à force de répéter des choses machinalement, le fameux bismillah quand on mange, ce bismillah, il ne veut rien dire pour nos enfants. C'est une formule qu'on dit, alhamdoulilah, bismillah, c'est un réflexe, mais elle n'a plus de portée. Donc, parlons en français avec Dieu. Dieu, il n'est pas arabe, il ne parle pas l'arabe. Dieu, c'est le Dieu de l'univers. Il parle à chacun avec sa langue, avec son cœur. Il n'y a pas besoin. Même les cieux et la terre l'adorent. Donc l'arabe, il reste pour le culte, parce que le culte, il est défini pour qu'on soit tous unis dans une manière de prier. Mais dans mes invocations, dans le reste, l'arabe n'est pas nécessaire. Et mieux vaut une doa sincère avec mon français à moi, avec mes termes à moi, qu'une belle doa que j'apprends en arabe et que je répète, mais qui finalement n'est que la répétition de certains mots qui ne touche pas mon cœur. Et l'idéal, c'est les deux. Parce que là, on a l'invocation que le prophète, et c'est les plus beaux mots qu'il a pu choisir, plus la sévérité, évidemment. Mais si on ne sait pas faire les deux, mieux vaut la qualité, parfois, que préserver uniquement la chose formée. Donc, il y a cet amour de Dieu particulier, avec la foi d'abord, avec l'adoration, qui est la traduction de cet amour. Alors, évidemment, cet homme qui est empli d'amour, ben, l'amour ne peut que se refléter autour de lui, dans une société où il était dur de parler d'amour. Vous voyez, non ? Nos Arabes contemporains, parfois, n'ont pas réellement changé de certaines périodes de l'histoire. Le mot amour est toujours tabou. Et il aimait son épouse, et il ne se gênait pas pour le dire. On lui pose un jour la question, « Ayyunas ahabu ilayk ?» Quelle est la personne la plus aimée auprès de toi, prophète ? Et il dit, Aïcha, mon épouse Aïcha, c'est la personne que j'aime le plus sur terre. Moi je connais des gens, tu ne peux même pas dire le nom de sa femme. Tu dois dire Oum quelque chose. Et tu n'as pas le droit de citer le nom de sa femme. Et si jamais tu le fais, là c'est incident diplomatique. Troisième guerre mondiale. Allez voir les livres de hadith, il y a des noms de femmes partout. Et on n'a aucune honte à parler de sa femme, à dire devant tout le monde, je t'aime. Alors voilà, c'est de la culture, hein, ce qu'on a vécu nous, ce qu'on a hérité parfois, c'est respectable, chacun a vécu sa vie, mais sachez juste que c'est pas l'islam. C'est pas l'islam qui nous interdit, prends ta femme par la main, dis à tout le monde que tu l'aimes, oui, où est le problème? Il n'y a pas de souci à cela. Et donc il y a cet amour.
Un jour, il passe dans la mosquée, il y a les abyssins qui sont en train de faire des jeux avec leur lance dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, et il voit que Aïcha s'intéresse à cela. Le prophète a beaucoup de choses à faire, mais il voit que ça plaît à sa femme. Alors il dit, tu veux rester, on regarde. Et elle regarde. Et il la laisse regarder les jeux des abyssins jusqu'à ce qu'elle se lasse. Ça aussi, c'est l'amour. Être capable de donner pour l'autre, même si moi, ça ne m'intéresse pas. Être capable de manger ses pizzas, même si elles ne me plaisent pas. Pas tous les jours quand même. Et c'était quelqu'un de très fier. Parce que quand l'amour vraiment nous a touchés, il ne nous quitte pas. L'amour, quand il t'a marqué, quand tu as aimé quelqu'un, si vraiment c'est sincère, cet amour va rester. Après, bon, on peut y nuire malheureusement par nos actions, mais si réellement il a été sincère, il va rester. Et le prophète a énormément aimé sa première épouse, Khadija. Il l'a tellement aimée qu'il a toujours parlé d'elle et qu'il rendait visite à ses anciennes amies. On lui disait parfois, c'est qui cette femme chez qui tu vas toujours, prophète? Il dit, c'est l'ancienne amie de Khadija. J'honore sa mémoire en lui rendant visite. Et il parlait tellement bien de Khadija que Aïcha était jalouse. Aïcha n'a pas connu Khadija. Mais elle était exaspérée d'entendre Mohammed, son mari bien-aimé, citer cette Khadija. Alors un jour, elle lui dit, Khadija était plus âgée que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha était beaucoup plus jeune. Donc elle lui dit à moi, mais qu'est-ce que tu as toujours à évoquer cette vieille? Alors que Dieu t'a accordé meilleur qu'elle, plus jeune qu'elle. Elle lui dit alors, Wallahi, Dieu ne m'a pas donné meilleur qu'elle. Elle m'a soutenu quand les gens m'ont rejeté. Elle a cru en moi quand les gens m'ont renié. Et donc il se rappelle les mérites là, et comment elle a été pendant toute cette période mécoise qui fut très dure, ce soutien fondamental dans son cheminement. Et ça aussi, c'est l'amour dans le couple. Comme de nos jeunes maintenant, on veut épouser une bimbo en foulard. On veut épouser Bioman avec une barbe. Et donc, on ne s'intéresse pas réellement au cœur de l'autre, aux qualités de son cœur. Et on ne cherche pas, même si nous sommes tous humains et rien n'est parfait, évidemment, on ne cherche pas à créer notre foyer sur l'amour de Dieu. Or, quand l'amour de Dieu est là, c'est quelque chose qui, normalement, ne devrait que grandir. On est jeune, on est beau, on l'est un peu moins 20 ans plus tard, évidemment. On peut être riche et perdre son argent. Certains vieillissent bien, c'est vrai. Ils sont plus beaux et ils ne cessent de s'embellir, effectivement, sans doute. Mais globalement, avec l'âge, on prend plus d'embonpoint, on prend quelques rides, etc. Par contre, si le physique peut changer, si l'argent peut disparaître, l'amour de Dieu, normalement, ne devrait cesser de grandir. Et donc, ce qui est le ciment du couple ne devrait cesser de grandir et donc d'enrichir et de renforcer ce foyer. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, aimait également les enfants. À nouveau, à une période, à une époque où la vie était dure et rude. Et quand on vit dans ces périodes rudes, les gens ont tendance justement à être beaucoup plus froids, beaucoup moins proches, de ne pas montrer leurs sentiments. Et Mohammed, alayhi salatu wassalam, va lutter contre tout cela. Il rentre à la mosquée avec son petit-fils sur les épaules. Il vient diriger la prière, et pendant la prière, il l'enlève, et puis il le remet, etc. Imaginez l'imam qui fait ça aujourd'hui, miskin. Mais le prophète, il veut donner une leçon aux gens. Leur montrer l'importance de la douceur, de l'affection, la place que devrait avoir l'enfant dans une mosquée. Et j'ai vu, moi, des gens dans les mosquées, au lieu de faire des sourires aux enfants, c'est « Hey, c'est ma place !» Parce qu'en plus, c'est des VIP, hein. Sa place à Al-Hajj, elle est VIP, il n'y a que lui qui peut aller là. Donc parfois, au lieu d'encourager cet enfant, on va le faire fuir de la mosquée. J'étais en France avec mon fils en vacances, on part prier dans une mosquée, mon fils en été, il est en short. Et le gars qui est à côté de moi, il n'a pas autre chose à lui dire à la fin de la prière, mon fils, il ne faut pas prier en short à la mosquée. Mon fils avait 8 ans, hein. Donc à 8 ans, on n'est pas déjà majeur, pubère. Mais subhanallah, tu n'as pas trouvé un autre premier mot à lui dire dans la mosquée que c'est quoi ce short que tu as mis. Donc voilà, c'est dommage. Au lieu de dire à l'enfant, machallah, t'as prié, c'est super chouette, et au mieux, si ça le dérange au short, qu'il vienne me trouver moi. Mais voilà, premier mot qu'on lui dit, c'est une remarque, c'est, même si c'était pas méchant non plus, évidemment, hein, mais pédagogiquement, c'est pas ce qu'il faudrait dire à quelqu'un. Donc il y a cet amour des enfants et il essaie de traduire cela. Dans cette dua,
lorsqu'il parlait de l'Hassan ou l'Hussein, il disait Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Oh mon Dieu, je les aime tous les deux, alors aime-les également. Et s'il dit, si ces doigts nous sont rapportés, c'est parce que le prophète le disait devant les gens. Vous savez, la sunna, le prophète ne l'a pas fait écrire. Ce sont les gens qui rapportent de lui. C'est-à-dire que ces doigts, il les disait aussi volontairement, parfois devant les gens, où les gens les entendaient. Et c'est une manière d'éduquer et de montrer la place de l'amour, évidemment. Et il y a ce récit connu de ce bédouin qui voit le prophète embrasser ses petits-fils et qui lui dit « Fier, moi, j'ai 10 enfants, jamais je ne les ai embrassés. Et moi, je suis un vrai homme. On n'en fait plus des comme moi. » Et le prophète lui dira alors « Que puis-je pour toi si Dieu a retiré de ton cœur la miséricorde ?»« Man la yarham, la yurham. » Celui qui ne fait pas de miséricorde aux gens n'en recevra pas en retour, ni de Dieu, ni des autres. C'est parfois ce que malheureusement, je constate chez certains de nos parents. Que Dieu nous facilite l'éducation, c'est pas évident, évidemment. Mais j'ai des parents, parfois, qui viennent chez moi, « Ah, mon fils ne me respecte pas. » Mais, l'Hajj, ton fils, aujourd'hui, c'est le fruit de 30 ans d'éducation, ou de 20 ans d'éducation. Où sont ces moments de partage? Où est ce temps que tu lui as donné? Où est cet amour que tu lui as témoigné? Qui n'a pas reçu aura dur à rendre. Et donc, on est respecté parce qu'on est respectable. On est aimé parce qu'on a donné à ces personnes la raison de vous aimer. Et donc ça, c'est important également. Donc le prophète a insisté sur cet amour vis-à-vis des enfants et aussi le respect qu'il avait pour eux. Et ça, dans l'éducation, c'est central. Il faut respecter nos enfants. Il faut apprendre à discuter avec eux, apprendre à écouter leur opinion, même si c'est les parents qui décident, évidemment, à la fin. Mais un jour, le prophète est assis, il y a à son assemblée un jeune garçon à sa droite, et puis des personnes âgées. Et le prophète, son habitude, c'est de débuter par la droite, qui est un symbole de droiture. Mais en même temps, le prophète a toujours appris à respecter les personnes âgées. Donc le prophète, ici, il se dit, est-ce que je peux commencer par les personnes âgées? Et le jeune dit non. Moi, prophète, pas par orgueil hein, ou par irrespect, mais dis-moi, prophète, je ne veux pas rater mon tour de toi. Je suis tout près de toi. Et le prophète respecte, il ne dit pas, ouais, t'es qu'un gamin, de toute façon, ce n'est pas toi qui décides. Donc il y a ce respect de l'enfant, la valeur qu'on peut lui donner. Et c'est quelque chose d'important, évidemment, dans l'éducation. Et lorsque l'enfant se sent respecté, il va lui-même également pouvoir évoluer. Il a besoin d'amour propre, un enfant, évidemment. Et donc il a besoin aussi de se sentir aimé et de sentir que Dieu l'aime. Est-ce que le Dieu, film d'horreur qu'on a cité la fois passée chez certains, où ce ne sont que des craintes, des punitions et des mises en garde, est un Dieu qui ne peut pas créer, en tout cas une lecture de Dieu, c'est pas Dieu évidemment, une lecture de Dieu qui ne peut pas créer chez l'enfant l'amour de Dieu, la proximité de Dieu. Mais on voit Dieu comme un punisseur. Et donc là c'est très malsain. Il faut corriger ce type de lecture évidemment. Alors le prophète aimait Dieu, amour qui va se traduire dans son comportement au quotidien, d'abord dans son foyer, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses petits-enfants, avec les enfants de manière générale, et puis avec ses compagnons. Vous savez, s'il a réussi à changer les cœurs des compagnons, ce n'est pas par ses discours, comme on l'a dit. C'est parce qu'il portait quelque chose en lui, et parce qu'il donnait quelque chose à ces gens. Certains compagnons disaient, on avait l'impression d'être ses amis intimes. On avait tous l'impression qu'on était son meilleur ami. Il donnait tellement toujours du temps à chacun. Un sourire. Il connaissait nos problèmes. Et on voit ça dans la sunna du prophète. Il passe devant un compagnon. Kayf asbahta ya haritha? Comment tu vas ce matin? Il posait des questions à ses compagnons. Ce n'était pas un donneur de discours. C'était quelqu'un qui faisait entrer dans les cœurs des gens son discours. Alors ça, c'est quelque chose d'important. Quelqu'un qui donnait plus par son comportement, par sa proximité, comme on a dit, il était souvent dans le silence, mais dans une relation permanente, par des gestes, par la présence. Et ça, c'est quelque chose d'important. On ne doit pas parler beaucoup de Dieu dans nos foyers pour qu'il soit spécialement présent. Mais on doit permettre que les gens, et nous-mêmes d'abord, hein, on doit être habité par cela, et quand les gens ressentent qu'on est habité par cela, automatiquement, ça les impacte, évidemment. Et donc il y avait ses compagnons. Un jour il appelle Mu'az ibn Jabal, il lui dit « Ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuk. » Par Dieu je t'aime.
voyez, il veut lui faire passer un enseignement. Qu'est-ce qu'il lui dit en premier? Il répète plusieurs fois, « Wallahi inni la uhibbuk. » Oh mon Dieu, enfin, « Oh Mu'ad, par Dieu, je t'aime. » Et puis il lui dit, « Viens, je vais te donner un conseil. Ne délaisse jamais après la prière, c'est ta vocation. Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Oh mon Dieu, permets-moi ou soutiens-moi afin de toujours t'évoquer, dhikr, à te remercier et à avoir une bonne adoration. » Vous voyez comment il a introduit ça, c'est pas aujourd'hui, dars numéro 22, l'obligation de dire une invocation après la prière. D'abord, il va toucher le cœur. Et il faisait toujours preuve de cette pédagogie. Un autre jour en voyage, il dit « Ya Mu'az ibn Jabal. » Oui, prophète. « La baïka ya Rasulallah. » Le prophète lui dit rien. Ok. Je repars. « Ya Mu'az ibn Jabal. » Il revient. Qu'est-ce qu'il fait en fait là? Il éveille en lui la curiosité. Il le fait travailler. Pour que lorsque le conseil lui est donné, il est ouvert. Et là, il a utilisé un autre exemple. Il a parlé d'amour. « Sache que je t'aime. Et cet amour que j'ai pour toi me pousse à te dire cela. » Vous voyez, c'est une toute autre perspective que « Mon fils, tu dois prier, c'est comme ça, et on m'a rapporté que si tu ne pries pas, je peux te frapper. » Allah, c'est Jamil. Moi, j'entendais des gens ici qui, on m'a déjà rapporté, ils ne mangeaient pas avec leurs enfants s'ils ne priaient pas. Ça, c'est le top pour faire naître l'hypocrisie dans ton foyer. Ouais, uniquement la menace, la crainte, au lieu d'aider la personne à aimer. Bien sûr, il faut avoir un minimum de règles dans le foyer, c'est normal, on a tout ça, évidemment. Mais je ne pense pas que c'est très salutaire et très sain. D'ailleurs, je l'ai souvent vu autour de moi, ça crée beaucoup d'hypocrisie dans le comportement. Donc, il aimait ses compagnons et leur disait clairement qu'il les aime. Donc, n'hésitez pas parfois à dire cela, mais un vrai amour. Pas le « je t'aime à sœur Filet, je t'aime à Rifilet », où c'est souvent du blabla. Mais n'hésitons pas, quand on aime quelqu'un, à lui dire aussi. Rentrez chez vous, dites à votre mère, je t'aime. Rentrez chez vous, dites à votre fils, ils sont encore là, que Dieu les bénisse. Rentrez-lui, dites, je t'aime, à votre femme, à vos enfants. Il ne faut jamais être avare de ce type de choses, c'est des choses qui permettent de créer du lien et qui sont importantes. Alors, il aimait son oncle, malgré que son oncle ne croyait pas. Abu Talib a toujours été à ses côtés. Il a toujours été honnête, intègre, et il a protégé d'ailleurs jusqu'à son dernier souffle. Et le Coran nous rappelle en parlant de sa relation, « Innaka la tahdi man ahbabt » Tu ne guides pas ce que tu es, Muhammad. « Walakin Allah yahdi man yasha » C'est Dieu qui guide, qui le veut. Les cœurs, Muhammad, ce n'est pas ton rôle. Mais on réaffirme ici l'amour qu'il portait à son oncle. Et donc bien sûr qu'on peut aimer des gens, même s'ils ne croient pas en Dieu, c'est normal. Et le prophète aimait tout un chacun, et notamment ses proches. Donc il faut faire attention à certaines lectures qui me semblent erronées, où on vous dit qu'un musulman ne peut aimer qu'un musulman. Il y a différents types d'amour, c'est vraiment le souci d'une absence de nuance chez certaines personnes. Il y a différents. J'aime ma mère, mais là c'est un amour filial. J'aime mon frère dans la foi, c'est un amour qui est basé sur ma spiritualité, sur une communauté de foi. J'aime mon ami, on a grandi ensemble depuis 20 ans, c'est mon pote, je l'aime. Là c'est un amour d'amitié ou d'humanité. Donc il y a des niveaux, des cadres différents, mais l'un n'est pas opposé à l'autre, évidemment. Alors également, le prophète, alayhi salatu wassalam, rappelait toujours que finalement, l'essentiel, même dans ta pratique, c'est l'amour de Dieu. L'essentiel dans ta pratique, c'est l'amour de Dieu. Il voit un compagnon, il s'appelait Abdullah. C'était un jeune, c'était un ami du prophète, comme les autres compagnons évidemment, mais le prophète l'aimait beaucoup, c'était un comique. Donc il faisait souvent des blagues, même au prophète. Et le prophète l'appréciait. Mais c'était un jeune qui était éprouvé par un vice. Il consommait de l'alcool. Et donc très souvent, on le trouvait en état d'ébriété. Et à nouveau, on l'attrape en état d'ébriété. Et un compagnon réagit mal. Il demande à Dieu de le maudire. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, vient corriger cela. Et d'ici, vous dites quelque chose, dites,
Oh mon Dieu, fais-lui miséricorde. Oh mon Dieu, pardonne-lui. Allez, si tu parles, fais-le-qu'il khayran li yasmut, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ne sois pas là pour maudire ton frère s'il a fait une erreur. Sois là pour demander à Dieu de le pardonner et de le guider. C'est ça ton rôle de frère ou de sœur. Et puis, il dira cette belle parole. Imaginez la situation. Un compagnon est attrapé en état de grand péché, consommation d'alcool. Et il lui dira, je ne sais de lui qu'une chose. Innahu yuhibbullah wa rasulah. C'est qu'il aime Dieu et son prophète. Il voit quelqu'un qui s'est éloigné, pourtant il dit, moi je sais, et là c'est le prophète qui parle, alayhi salatu wassalam, que son cœur est habité par l'amour de Dieu et du prophète. Et moi j'ai vu comme ça personnellement. Des gens, Allah, quand ils parlaient de Dieu, ils pleuraient, alors qu'ils sont loin dans leurs actes apparents. Et je vois des gens qui sont dans la prière, dans une pratique très très affirmée, et tu vois des cœurs durs et fermés, sans aucune compassion. Et tu te demandes, subhanallah, qui est plus proche de Dieu ? On ne sait pas, nous c'est Dieu qui sait, évidemment. Mais celui dont le cœur est dur et fermé et dont la pratique n'est que là pour le rassurer, ou celui qui, dans l'éloignement qui est le sien apparent, est en réalité peut-être beaucoup plus proche par ses regrets et par son envie de changer que celui qui est dans l'illusion de son apparent pratique. Et imaginez même le message qu'il fait passer, subhanallah. Alors que ce jeune est pris à partie par les autres, il vient lui dire l'encouragement. Je sais que tu l'aimes. Je sais que tu aimes Dieu, je sais que tu m'aimes. Et je suis là pour t'aider. Il dira, la takunu ma'auna shaytani ala akhikum. N'aidiez pas le diable contre votre frère. Parce qu'en repoussant les gens, en les jugeant, en étant dur, on joue le jeu du diable. Et Dieu sait que le diable, mashallah, il a pas mal de musulmans à son service. Hein. Pas mal du tout. Les gens qui, au lieu d'aider leur frère ou leur sœur à se rapprocher de Dieu, sont dans le jugement. Je me rappelle dans une mosquée, un frère qui m'a dit tout content, « Ouais, on a vu ce gars arriver à la mosquée avec sa coupe de cheveux bizarre et ses boucles d'oreilles, et on l'a jeté dehors. » Et il était fier, le gars. Il est heureux de me dire, « T'as vu, ce gars-là, il n'est pas rentré, hein, on ne l'a pas laissé rentrer comme ça. » Et après, le gars, il vient chercher la miséricorde de Dieu, et toi, tu le renvoies chez Shaitan. Qui es-tu ? Si ce n'est le soutien du diable. Tu ne t'en rends pas compte, hein ? Mais ce type de comportement est ce que le diable apprécie, évidemment. Alors il faut faire attention parfois, parce que quand le cœur n'est pas habité par l'amour de Dieu et qu'il est très fragile, vous allez remarquer que ce sont ce type de personnes qui sont les plus dures envers les autres. En fait, ils ne sont pas durs envers les autres seulement. Les autres reflètent leurs faiblesses. Ils sont attirés par les femmes, ils sont attirés par l'alcool, ils sont attirés par le vice. Et quand ils voient quelqu'un tomber dedans, en fait, ils ne voient pas seulement l'autre, ils se voient lui-même. Et ça, c'est pour ça que parfois je vois des gens, ils voient quelqu'un qui pratique ce que lui ne doit pas faire, il l'insulte. Regarde celui-là, il boit. Regarde celle-là, elle fume. Regarde. Et il s'en prend à la personne, pourquoi ? Parce qu'en fait, il est en train d'éveiller en lui ses instincts et son envie. Alors il s'attaque à cette personne. Or, celui qui est réellement avec Dieu devrait demander à Dieu de pardonner, d'aider ces gens à s'en sortir, et pas de maudire et de rejeter. Donc même cet amour du prophète qu'il portait pour autrui, est la clé qui a fait que les gens l'ont apprécié. A été la clé qui a fait que les gens, le jeune, quand il forniquait, ou qu'il voulait forniquer, pardon, imaginez la scène aujourd'hui. Il rentre à la mosquée, il a 15 ans, 16 ans. 15 ans, 16 ans, les hormones, ça travaille, d'accord ? Il a flashé sur une jeune fille en classe. Et il a trouvé l'imam mosquée. Cher, j'ai envie d'avoir une relation avec une jeune fille en classe. Qu'est-ce qu'on lui fait ? Déjà, on devient tout rouge, on lui jette des chaussures à la tête, miskin. Et vous voyez, déjà rien que le fait que le jeune ose lui poser la question. J'étais dans une mosquée il n'y a pas longtemps. Wallah, j'ai deux jeunes, 16-17 ans, ils viennent me trouver, ils me disent, on a une question à vous poser. Bismillah. Non, on ne peut pas vous la poser. On l'a écrite sur un papier. Et alors, ils me sortent le papier, voilà la question. Et ils me donnent la question. Est-ce qu'on peut se masturber ? Donc voilà des gens qui ne trouvent pas de réponse à leurs questions et qui sont traumatisés, qui n'osent pas en parler sûrement dans la mosquée à leurs proches. Bon, je comprends, c'est toujours un petit peu délicat évidemment comme type de question. Mais regardez à l'époque du prophète, le jeune, c'est pas que ça qu'il a demandé,
Dis-moi, prophète, j'aimerais bien qu'on puisse me changer une petite règle et que ce soit permis pour moi. Mais il n'a eu aucune crainte d'aller trouver le prophète. C'est ça qui m'intéresse ici, l'histoire, elle est connue. Mais c'est que le jeune, il n'a pas cette peur d'aller trouver le prophète. Il n'a pas la peur d'être jugé. Parce qu'il sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas là pour ça. Il est là pour t'aider. Et le prophète, qu'est-ce qu'il va faire? Viens, approche-toi de moi. Il ne va jamais parler de la chose. Il ne va jamais le juger. Lui dire, c'est haram, a'udhu billahi minash shaitan ar-rajim, qu'est-ce que tu racontes? Ça sert à rien de dire aux gens que c'est haram. Vous croyez qu'ils ne le savent pas? Vous croyez que si le jeune, il pensait que c'était halal, il aurait posé la question? Et c'est vexe. Hein? Et ça, on doit comprendre en tant qu'éducateur parfois. Beaucoup de questions qu'on nous pose ne sont pas des questions qui cherchent à avoir une réponse. Ce sont des questions où la personne te dit, j'ai besoin d'aide. Trouve-moi une solution. Mais nous, malheureusement, c'est quoi le normatif? Haram ya akhi taqillah, il ne faut pas poser cette question. Et donc, au lieu d'aider la personne à avoir une réponse, je lui ferme la porte. Et le prophète n'était pas comme cela. L'amour qu'il portait pour chacun faisait que tout le monde avait confiance, tout le monde pouvait venir à lui de manière apaisée, sans craindre le jugement et sans être dans l'islam du normatif qui, entre nous, ne change rien. Et donc, il y a cette pédagogie. Et à la fin, d'ailleurs, il y a cette marque d'amour, oui, où il pose sa main sur sa poitrine, il invoque Dieu en sa faveur, etc. Donc, il y a cette douceur vis-à-vis d'une chose qui aurait pu, d'ailleurs, qui a fait que les compagnons se sont fâchés. Les compagnons ont dit, tais-toi, qu'est-ce que tu dis? Mais le prophète, il n'est pas dans cet état d'esprit. Il est le modèle, évidemment, par son éducation. Alors, deux, trois points encore, Inch'Allah. Il rappelait également aux compagnons que c'est par l'amour qu'ils vont se rapprocher de Dieu. Et que ce que vous devez chercher, c'est ce que Dieu aime finalement. Elle disait, en parlant de Dieu, Dieu vous dit, « Haqqat mahabbati lil mutahabina fi. » Il rapporte que Dieu dit, « Mon amour est dû, est offert à ceux qui s'aiment pour moi. » Aimez-vous les uns les autres, soyez proches les uns des autres, sachez que Dieu va vous aimer. Et il y a tout le temps cette relation en fait. Tu veux que Dieu soit miséricordieux, imprègne-toi de sa miséricorde, traduis-la autour de toi et sache qu'en retour, en fait c'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. Plus tu t'imprègnes de Dieu, plus tu traduis ça, plus tu es alimenté par cela. Ouais, c'est comme celui qui fait du bien. Plus tu fais du bien aux autres, plus c'est toi qui es bien dans ta peau. Tu donnes, mais en fait c'est toi qui prends. Et c'est la même chose, plus tu vas aimer autrui, plus cet amour qui va imbiber ton cœur va te permettre d'être encore plus proche de Dieu. Et donc, c'est un élément qui est positif. Et donc, le prophète encourageait à cela. Alors, dernier point, le prophète également, alayhi salatu wassalam, a aimé ses compagnons, mais il est une miséricorde pour toute l'humanité et pour toutes les générations, même pour ceux qui ne l'ont pas connu, à travers sa vie, à travers son exemple. Elle disait un jour à ses compagnons, Waditu anni laqitu ikhwani, j'aurais tellement aimé rencontrer mes frères. Les compagnons lui disent, mais awalaysa nahnu ikhwanak, c'est pas nous tes frères prophètes? Non, tous ashabi, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont des gens particuliers. Ce sont des gens qui vont croire en moi. Alladhina amanu bi wa lam yarawni. Ils vont croire en moi sans m'avoir vu. Oui, on n'a pas eu la chance de connaître le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, on ne serait pas comme ça. Si le prophète était là, on n'aurait pas l'état de la communauté actuelle. Mais il nous a donné les outils pour justement s'éduquer, pour évoluer. Et pour s'imprégner. Et dans toute l'histoire de l'islam, vous voyez la présence de ces gens pieux. De ces gens qui, eux seuls, en étant peu nombreux parfois, ont réveillé une communauté. À chaque siècle, à chaque époque, vous allez voir de grands personnages, hommes ou femmes, qui par leur proximité de Dieu, ont pu changer le cours des choses. Parce que si le prophète n'est plus là, le Coran est toujours parmi nous, l'exemple prophétique est là. Et donc Dieu a donné des outils à tout un chacun pour changer, mais il faut s'en imprégner, évidemment. Et donc vous voyez la place qu'il vous donnait à chacun et chacune d'entre vous. Et il aurait espéré rencontrer chacun d'entre nous. Ça aussi, c'est l'éducateur qui d'abord voit loin et qui aime son prochain, même celui qui n'a pas connu, finalement. Et son amour également, il poussait ses compagnons à le traduire autour d'eux. Comme on a dit, entre eux, et d'aimer le bien dans toute chose.
Il leur disait La yu'minu ahadukum hatta yuhibba linnas ma yuhibbu li nafsi. Dans certaines versions, ma yuhibbu li akhi. Aucun d'entre vous n'est réellement croyant, ne voit son cœur imprégné par la foi tant qu'il n'aime pour autrui, pour les autres, pour son frère, pour les hommes, dans certaines versions, ce qu'il aime pour lui-même. Et si tu es réellement habité par cet amour, tu as envie qu'il se traduise autour de toi. Si par contre tu n'as pas goûté cet amour, tu ne cherches que la haine, que le rejet d'autrui, parce que tu n'as pas goûté. Et celui qui n'a pas goûté ne peut pas transmettre. Et donc, alayhi salatu wassalam, il rappelle cela à ses compagnons. Et il les a éduqués à ce bien. Et comme je vous dis, ce n'est pas pour rien si il y a eu ce bouleversement fondamental en quelques décennies. Et ces cœurs qui ont changé. Parce que il y avait l'amour derrière, il y avait le modèle. Et comme disait Anas ibn Malik, le jour où j'ai rencontré le prophète était le plus beau jour, le jour où il est parti était le pire jour pour nous. Parce que c'est normal, tu perds ton bien-aimé. Dieu est toujours là, évidemment. Mais vous savez, le modèle, il est central. Et c'est vraiment ce qui nous manque aujourd'hui. Ce n'est pas les beaux parleurs. Ce sont les gens qui sont habités par la foi. Je termine par cette petite histoire que je répète souvent, mais qui m'a marqué. J'étais un jour invité dans une grosse boîte de sécurité pour une formation que j'ai donnée d'introduction à l'islam. Et donc j'avais toute une série de grands cadres au niveau belge. Et la première question que je pose à chacun autour de la table, c'est quand je vous dis islam, vous pensez à quoi? Kalachnikov, kebab, explosion, ouais. Et la directrice me dit amour. Et franchement, elle me marque, je suis un peu interpellé. Et à la fin, elle n'est pas musulmane, la directrice. Et à la fin, je pose la question à une personne que je connaissais qui était là et qui lui était musulman. Je dis, comment ça se fait qu'elle a dit ça? Il m'a dit, c'est sa nounou. Cette dame, qui a sans doute des moyens financiers assez importants et des enfants, a une nounou à temps plein qui s'occupe de ses enfants. Et là, apparemment, elle en avait testé plusieurs. Mais quand elle a eu cette jeune musulmane, je ne sais pas, jeune ou moins jeune dans ses airs, que Dieu la bénisse en tout cas, et qui n'est sans doute pas venue faire de la prédication dans sa maison, hein. Mais quand elle a vu ce qui habitait cette jeune fille ou cette dame, je ne sais pas c'est qui, elle m'a dit, ben moi quand je pense islam, je pense amour. Oui, c'est ça. Elle n'a pas un doctorat en théologie. Elle ne fait pas des prêches dans les mosquées. Mais wallah, elle a sans doute un cœur qui, si montait sur les minbar, aurait changé beaucoup plus de choses de la communauté que ceux qui ont fait de la transmission du discours leur business. Et donc ça, c'est quelque chose de moi qui m'a marqué. D'une dame qui, dans sa relation avec quelqu'un, lorsque vous lui dites islam, malgré tout ce que peuvent dire les médias, voyez, l'humain, il est beaucoup plus fort que tout le reste. On peut, avec les médias, évidemment, malheureusement, perturber, faire douter les gens. Mais quand les gens vous connaissent, quand les gens voient en toi le bien, et quand tu es habité par cet amour et cette sincérité, il n'y a rien à faire, les gens vont changer petit à petit. Mais c'est ça qu'il nous faut. Et donc, en conclusion, on a essayé de voyager un peu ici avec le prophète, alayhi salatu wassalam, et cette question de l'amour qui était centrale dans sa vie. Et cet amour, il s'est d'abord traduit dans sa relation à Dieu. Une relation de proximité qui s'est construite petit à petit et qui rayonnait dans sa vie. Et puis on a vu comment cet amour s'est traduit auprès de ses proches, avec son épouse notamment, avec ses enfants et ses petits-enfants, avec ses compagnons, avec ceux qu'il n'a jamais rencontrés mais qu'il souhaitait sincèrement pouvoir rencontrer. Et comment il appelait au bien, à l'amour du bien dans toute chose. Et personnellement, je pense que nous, musulmans européens, on a fait beaucoup d'erreurs depuis quelques décennies, mais c'est normal. C'est un bouleversement total, une immigration massive de gens issus de communautés, de cultures différentes, de gens pas spécialement issus de communautés très éduquées, parfois qui venaient des milieux ruraux et qui ont fait beaucoup de belles choses, mashallah, que Dieu les récompense et les bénisse. Mais on a eu un discours qui était parfois très loin de tout cela. Un discours qui s'est beaucoup figé sur le normatif, les choses à faire ou à ne pas faire, sur l'apparence des choses, et qui a, je pense, sacrifié beaucoup de nos enfants, malheureusement. Et si on peut revenir à cela, arrêter de parler beaucoup, arrêter de cet islam identitaire qui s'intéresse qu'aux choses de l'apparence, etc., pour revenir à un islam où on va s'intéresser à l'éducation et à l'amour, je suis persuadé qu'on peut changer beaucoup de choses.
Et je suis persuadé également qu'avec peu de moyens, on pourra faire beaucoup. Parce que l'amour est une force qui peut tout balayer sur son passage. On peut avoir des millions de dollars, on peut avoir tous les moyens. Vous voyez autour de vous, moi j'ai vu des gens qui étaient sincères, dans mes enseignants notamment, qui n'avaient pas de moyens, voire qui étaient harcelés et persécutés par des régimes dictatoriaux. Mais malgré tous les moyens qu'avaient ces gens, ils n'arrivent pas à changer les cœurs. Ils peuvent changer par les armes, par la force, par la peur, mais ils ne savent pas changer ce qu'il y a dans les cœurs. Et une personne qui est habitée par cet amour peut changer énormément de choses. Voilà donc quelques réflexions que j'avais. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de goûter à son amour, de goûter l'amour du prophète alayhi salatu wa salam, et d'être de ceux qui traduisons et répandons cet amour autour de nous. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fik.